C'est tout près d'ici que le Drau se jette dans la Garonne. Donc ici, nous sommes au seuil de Casseuil, dit Bonneuil, qui est le premier verrou d'entrée à la remontée des poissons. Donc, il avait été construit pour connecter le Drau à la Garonne et permettre sa navigabilité jusqu'à Imay. Et donc aujourd'hui, le Drau n'est plus navigable. C'est pour ça qu'un projet est en cours pour rétablir la continuité écologique et permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Est-ce que c'est bien ça, Stéphane ? En effet, Laura, le seuil fait l'objet d'une attention particulière car il ne permet pas la remontée des poissons avec des débits faibles ou moyens. Le syndicat mixte du Drau Aval a prévu d'aménager cet ouvrage pour le rendre franchissable pour la faune piscicole, notamment pour l'anguille et la loze. Pour l'anguille, c'est un poisson qui se reproduit dans la mer des Sargasses et vient grossir, entre autres, dans le Drau. Le seuil va être abaissé de 80 à 90 cm sur cette partie-là. Une passe à enrochement régulièrement répartie est prévue en rive droite du Drau avec une pente de 5% de l'amont vers l'aval. Et cette passe permettra la remontée des poissons à toute période de l'année, même avec des gammes de débit faibles. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur le site de Casseuil. Les images que vous venez de voir sont des images d'archives extraites des carnets de Laura que j'ai eu le plaisir de tourner en 2017 et destinées à la découverte de la vallée du Drau. Le projet d'aménagement du site de Casseuil décrit par Stéphane Jarleton dans cet extrait est aujourd'hui en pleine actualité. Est-ce que c'est bien ça, monsieur Doucilleul ? Eh bien oui, en pleine actualité, je dirais même en pleine effervescence. Hein. C'est un chantier qui a été soutenu financièrement par l'agence de bassin à Lourdes-Garonne et ainsi que l'État via le ministère de l'écologie et qui ont assuré un financement à 100%. Et alors j'ai cru comprendre que cet aménagement du seuil contribuait à la restauration de la continuité écologique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien la continuité écologique, ce n'est ni plus ni moins que de permettre aux sédiments de descendre naturellement le lit mineur de la rivière et de permettre également aux poissons migrateurs de venir en amont se reproduire. Parce qu'il faut dire que le Drau compte énormément de barrages historiques. Alors oui, il y a de nombreux barrages qui avaient une vocation économique et aujourd'hui, malheureusement, ça appartient au passé. Merci beaucoup, monsieur Doucilleul. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat mixte du Drau Aval et vice-président de la communauté de communes du Réolais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai mené mon enquête auprès des riverains du Drau et notamment auprès des pêcheurs qui m'ont fait part de leur crainte que l'eau du Drau soit désormais trop basse avec l'abaissement de ce seuil. Est-ce que ces craintes sont justifiées, monsieur Chanceau ? Ces craintes ne sont pas du tout justifiées. Bien au contraire, l'abaissement du plan d'eau va permettre d'améliorer la biodiversité sur cette partie du territoire. D'une part, en recréant des habitats courants sur lesquels de nouvelles espèces vont pouvoir s'installer, et d'autre part, en améliorant la résilience du cours d'eau face au changement climatique. Mais merci beaucoup pour ces explications. Cet abaissement du seuil a sorti de la création d'une passe à poissons concrètement. Comment est-ce que c'est fait ? Pour y répondre, le mieux c'est de s'adresser au concepteur des plans de cet ouvrage. Je vais donc retrouver Michael Heck, maître d'œuvre en charge du projet. Bonjour Michael. Bonjour Laura. Alors Michael, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous aviez imaginé en 2017 et que Stéphane m'avait fait découvrir ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, je reconnais le plan général, donc ça c'est bon signe. Tout à fait, c'est mieux. Donc l'objectif des travaux, c'était d'abaisser le seuil existant de 80 à 90 cm environ et d'aménager en rive droite du Drau une passe à enrochement régulièrement répartie pour permettre la remontée des poissons, quels que soient les débits, par des débits très faibles ou des débits beaucoup plus importants. Donc pour faire ce type de travaux, on a mis en place un rideau de pale-planche en travers de la rivière, comme on voit sur le plan qui est ici, pour isoler la zone de travaux et pouvoir travailler en un sec. Et donc dans un premier temps, on a démoli la partie du seuil qui était à raser. On a réabaissé les pales-planches. Dans un second temps, une fois que ces travaux ont été réalisés, on a prolongé le rideau de pales-planches en rive droite pour pouvoir créer la passe en enrochement régulièrement réparti. Oui, c'est impressionnant. Donc si je comprends bien, mettre en place ce type de chantier, ça demande en fait autant d'attention dans la conception que dans la réalisation. Oui, surtout dans la réalisation, oui, parce qu'on travaille au niveau de l'eau. Et donc, il faut pouvoir travailler et en sec et avec l'eau qui continue à s'écouler et alimenter la partie en aval. Ok, ben merci beaucoup, Michael, pour toutes ces explications. Je vais continuer merci. Ma visite. À bientôt. Bonne journée, merci. Merci. J'aimerais bien en savoir plus sur cette passe à poissons. Pour cela, je me suis rapprochée de Quentin Moulidier. Vous êtes aide conducteur des travaux sur ce chantier. Bonjour Quentin. Bonjour Laura. Alors comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? Quand on travaille dans l'eau, il y a toujours des imprévus, mais jusqu'à présent, on a fait face à tous les aléas qu'on a rencontrés.
Donc la passe à poissons, elle est juste ici. Concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a des marches comme pour un escalier par exemple? Non, c'est des plots qui sont répartis de manière régulière, qui permet de casser le courant pour que les poissons puissent se reposer quand ils remontent. Et il y a toujours de l'eau dans cette passe à poissons. Donc si je comprends bien, en fait, il va remonter en circulant autour des plots. Est-ce que ça, on est sûr qu'il va y arriver? Bien sûr, parce que c'est pas le premier chantier qu'on fait de ce type. Et jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé. Bah, merci beaucoup Quentin pour ces explications. Donc si je résume, les poissons vont pouvoir à nouveau profiter de la douceur du Drô, croître, se multiplier. Enfin bref, la vie va tout simplement reprendre ses droits. Voilà, l'abaissement du seuil de Casseuil, c'est bientôt terminé. C'est encore une étape dans la restauration de la continuité écologique du Drô. Et je me suis laissé dire, Stéphane, que ce n'était pas la dernière. En effet, en 2020, le syndicat prévoit d'abaisser le seuil de la barre, situé 6 km en amont, afin de le rendre franchissable. Le chantier sera similaire à celui-ci, sauf que nous ne prévoyons pas de dispositif de franchissement. Les poissons passeront naturellement le barrage abaissé. Mais ça me ferait très plaisir de venir couvrir ce futur chantier. Est-ce que vous m'invitez, Stéphane, pour ça? Oui, avec plaisir, et nous vous offrirons même le café. Mais merci beaucoup, Stéphane, c'est noté. Donc en attendant, moi, je vais venir faire quelques petites images de ce chantier en cours, que je placerai à la fin de ce film, une fois que la végétation aura un petit peu plus repris ses droits. Merci beaucoup Stéphane. Merci Laura, à bientôt. Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. J'étais vraiment ravie de tourner ce reportage et je vous dis donc à très bientôt, toujours sur les bords du Drô.